Des traces de sang partout dans cette chambre, qui vient d'être le théâtre d'une scène digne d'un film d'horreur. Dieudonné Kiampi, 49 ans, a été retrouvé mort baignant dans une mare de sang. Son bourreau a même pris la peine de le saucissonner. Dès que je suis quitté, comme chez moi, c'est tout ça en haut là. Je monte chez moi. Voilà, à 5 heures, on m'appelle, on me dit qu'on a tué mon petit frère. Il dit que comment tuer le petit frère, comment? Le petit frère qu'on était ensemble, on l'a tué par comment? On dit qu'on vient de couper comme si on coupait le porc. C'est ça, beaucoup de musique. Je vois aussi, j'ai vu que c'est la vérité. La scène horrible s'est produite au village Zingswe, dans le groupement Bacham, département des Bamboutos. Pour l'heure, la principale suspecte n'est autre que la mère de ses enfants, Karine Tiwa, 36 ans. Depuis quelque temps à printemps, le couple vivait des tensions nées des suspicions d'infidélité de la femme. On apprend que quand lui est partout aux gens, le gars venait dormir ici avec sa femme. De retour d'une cérémonie dimanche 23 juin dernier, de nouveaux éclats de voix conduisent au pays. La femme accusée d'infidélité a-t-elle agi seule? Certaines sources renseignent qu'elle s'est fait aider dans son projet funeste par un de ses amants. La brigade de gendarmerie de Bacham a ouvert une enquête dont le résultat permettra de confirmer ou d'infirmer cette version des faits.